Cela fait maintenant 4 ans que Bernard Tapie se bat contre sa maladie. Sa famille ne cache pas son émotion. Mardi 21 septembre, Sophie Tapie, qui n'est autre que sa fille, s'est confiée sur son état de santé lors de son passage sur BFM TV. Il va comme quelqu'un atteint d'un cancer au stade 4. Il faut avancer, a-t-elle affirmé. En ce qui concerne son fils, Stéphane Tapie, il a partagé sur Instagram les photos de lui aux côtés de son père avec pour description « Profitez de vos proches avant qu'ils partent ». Sa famille n'est pas la seule à le soutenir. Ses amis les plus proches sont également là. Jacques Seguela lui a rendu visite ce vendredi 24 septembre. Il a donné des nouvelles très inquiétantes sur le plateau de l'heure des pros sur CNews. Ce lundi 27 septembre, son ami s'est confié sur sa santé. Il est très fatigué, il souffre beaucoup. Il est dans son dernier combat, il le sait. Comme pour tous ses combats, il le fait avec rage et avec une espèce de dernière ardeur. Il a un nouveau traitement, ce sera peut-être le dernier. Ça fait tellement de mal de le voir, a-t-il annoncé avec beaucoup d'émotion. Il est chez lui, il est couché, il se lève douloureusement. Il a toute sa famille autour de lui. C'est complètement soudé. C'est le dernier combat, a-t-il conclu.